C'est quoi le conseil que tu donnerais pour réussir? Pour réussir en licence d'économie à la Sorbonne, je pense qu'il faudrait être assidu au cours, savoir bien différencier les moments où il faut vraiment travailler et d'autres moments où il faut se reposer parce que c'est nécessaire quoi, pour être bon et puis être sérieux. Je suis en troisième année d'économie à la Sorbonne. Pour réussir, je pense qu'il faut réussir à concilier au niveau de son temps de travail, essayer de prendre du temps pour travailler ses cours en amont, ensuite faire des activités un peu pour le plaisir, pour se détendre un petit peu. C'est sûr que c'est difficile de faire ça. Ce qui se passe, c'est que moi, je fais en général à la fin de la semaine un petit planning pour la semaine qui suit, où j'essaye de répartir mon temps de travail sur tel jour. Le matin, je vais en amphi, l'après-midi, j'ai du temps libre, du coup, je peux travailler ou sinon faire du sport. J'essaye de faire ça toutes les semaines. Je suis en double licence droit économie en troisième année, et donc pour moi, le plus gros conseil que je peux donner, c'est apprendre à s'organiser rapidement. Essayer de voir avec les autres personnes qui nous entourent pour essayer de voir comment eux, ils travaillent, pour s'inspirer un maximum de leur méthode de travail pour trouver sa propre méthode. Moi, en licence d'économie, et je pense que c'est un peu la même chose pour toutes les licences, mais d'être autonome et d'être régulier dans son travail. C'est vraiment bateau, mais c'est ce qui marche le plus souvent. Je suis en troisième année de double licence droit et économie. Moi, je recommanderais avant tout d'être organisé, de ne pas se laisser dépasser par le temps et vraiment de faire chaque chose au fur et à mesure pour ne pas se retrouver la veille des partiels sous l'eau.